Mes petites beautés, je voulais vous dire deux, trois mots sur la revente et la vente de places pour mon Olympia qui est dans moins de 2 semaines. Déjà, j'attendais d'être certaine d'être le seul événement national le 28 octobre pour vous faire cette story, pour que chacun prenne ses décisions en âme et conscience. Ensuite, en toute franchise, j'essaye depuis des semaines d'avoir des infos sur Ticketswap. En fait, l'Olympia bloque la revente de places sur Ticketswap, donc ce sera pas possible. C'est un peu chiant, mais c'est la vie, donc on va se débrouiller par nous-mêmes. Il paraît cependant qu'il se passe plein de trucs sur Twitter. Je ne suis pas au courant. Pourquoi? Car je suis bannée depuis 6 mois, car quelqu'un a piraté mon compte pour en faire un compte promoteur de revente, de formation sur la crypto-monnaie. Je n'ai donc aucun accès à Twitter. Moi, ce que je vous propose, du coup, c'est de gérer ça entre vous. Voilà, je m'en mêle pas. Si vous avez des places à vendre, vous tweetez en mettant bien ANRVR et Olympia ou contre-soirée Olympia et en proposant les places que vous avez à vendre. Et si vous cherchez vous des places, vous tapez dans la barre de recherche Twitter ANRVR et Olympia ou contre-soirée Olympia. Et comme ça, vous échangez entre vous et vous pouvez vous revendre les places. Je crois qu'il suffit juste que la personne qui vend ses places, oui, fasse une attestation écrite en disant qu'elle autorise et qu'elle vend ses places à l'autre personne et que la personne qui rachète les places se munisse de la pièce d'identité. C'est long, mais ça vaut le coup.